Salut tout le monde, salut salut, ravi de vous retrouver sur ce FIFA 22 avec la carrière du Paris Saint-Germain. Donc on va continuer cette carrière, cette saison complète, donc match de préparation pour le début du championnat. Donc on a ce match contre Manchester United. Alors, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui ont participé à faire grimper la chaîne. On a dépassé les 600 abonnés. Ça fait toujours plaisir. Je remercie les personnes aussi, les abonnés qui sont venus avec nous, des jeunes abonnés qui sont venus avec nous faire un délire Monster Truck. Donc, on en fera aussi sur Farming 22. Et comme d'habitude, mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Ça fera toujours plaisir pour la faire grimper. Donc nous on est là les potos et on va se faire ce match de préparation tout simplement face à Manu. Donc on va changer les maillots vu que non c'est pas ça que je voulais faire. Alors je voulais personnalisation. Voilà. On va changer les maillots. On va voir un petit peu. Alors changer les maillots. Donc okay. Donc qu'est-ce qu'ils ont, Manu? Donc on va jouer, tiens, on va jouer comme ça. Et puis Manu, on va les faire jouer comme. Bah tiens, on va jouer. Oh. On va les faire jouer comme ça, tiens, allez, hop. On va les faire jouer comme ça. Donc voilà, donc c'est parti pour ce match. Le pré-saison, hein. Donc c'est vrai que le premier match, ça fait un petit bout de temps, hein, ça fait 2 semaines que je l'ai fait. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intervenues. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place sur le 22 qui arrive très très vite. Donc voilà. Ah, ça, c'est un joueur qu'on va Il y a suivre du de près boulot, aujourd'hui, hein, donc vous vous en vous doutez. inquiétez pas, tout va Il se est dans mettre le 11 en. de départ, malgré des rumeurs qui l'envoient ailleurs. Tout Allez, va la se suite des mettre en réjouissances, place. c'est dans quelques instants sur eSports. Tout va se mettre en place. Salut à toutes et En tous, sachant bienvenue dans ce que Farming match, Simulator bientôt à 22 ce arrive stade. très très vite. C'est un Hein. plaisir, hein, de vous retrouver. Au commentaire, Hervé Matou. Voilà, Hervé Mathieu est tout seul, hein. Un Pierre bien Ménès n'est plus connu. là. C'est la suite de Allez, la c'est deuxième phase parti! de groupe de l'avant-saison. Voici le programme d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain face à Manchester United. Les deux équipes qui ont déjà 2 matchs derrière elles sont en train de mettre en place leur jeu, de chercher les automatismes et qui vont essayer de signer un bon match pour leur troisième sortie. Bruno Fernandes, J'ai fait le con là. Hein. reprise magnifique! Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée! Tout ça, les Ouais, demi-glaces sont la place à j'ai l'heure. fait, j'ai Tentative fait le con. qui Bah ouais, mais est bon, je peux pas devancée de regarder Mbappé. les C'était quand même messages, parce que inévitable, bon, hein. je suis en direct aussi sur un de mes groupes. Et j'étais en train de regarder les messages, donc j'ai pas prêté attention. Bon. C'est pas grave. Manchester United qui a pris le Il vaut meilleur mieux sur prendre son un but adversaire jusqu'à maintenant. présent. La bonne anticipation de Cristiano Ronaldo qui a récupéré. Il y a faute là. Oh, la faute! Il y a Ouh, faute, il y a effectivement, non, carton. sur ce Bon, tacle, ça sera carton jaune. il va falloir qu'on se Non, c'est pas réveille. carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Il cherche un partenaire dans la surface. Peut-être pas assez appuyé pour vraiment inquiéter le gardien. Et un joli boulevard qui s'ouvre pour Manchester United. Cristiano Ronaldo. Fernandes. Oh, il fallait pas se louper sur ce Faut geste qu'on se bien reprenne. défendu. Attention, c'est clairsemé derrière. Oh, c'est la barre Sancho. transversale qui vient. David Sancho. Ronaldo. Ils construisent, ils font tourner. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Qui perd le ballon et quand il débat le pied, Ronaldo, ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire.
Hors-jeu signalé, la défense s'est fait une petite frayeur peut-être. Oh là là, la barre transversale qui vient sauver Manchester United. Allez, on va se reprendre. Matic. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Et c'est ouvert le chemin du but. Attention à cette occasion. Allez, c'est bien arraché, mais il y a toujours le feu. Pas de soucis pour le gardien. Cristiano. Voilà Fernandez qui se prend la balle. Marco Verratti. Allez, allez! Elle la voilà la frappe. Il a perdu le ballon. Le bon coup franc là. Le bon coup franc. Et le joue à deux. Pereira. Il tente sa chance de loin. Elle n'est pas passée loin cette balle. On était tout proche de l'égalisation, ça veut dire qu'il faut encore y croire. Hein. Moi, les coups francs, ça fait deux, hein. Je suis pas fortiche. Alors, j'en ai mis un une fois, je sais pas comment j'ai fait. Puis c'était Neymar. Bruno Fernandez. Dani Van de Beek. Bruno Fernandez. Ben Sancho. Se fait passer. Ah, il y avait l'idée, mais le gardien s'empare du ballon. Neymar. Mbappé était là pour intercepter cette passe. L'arbitre qui siffle une faute, c'est pas un coup franc pour les Mancuniens. Faut que je me concentre, hein, faut que je me concentre. Sancho. Avec Cristiano Ronaldo encore. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Achraf Hakimi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Bordel! Si ce n'est une sortie de but. Et il y a la Ola. Je me concentre. Pour l'instant, c'est pas top. Hein. Matic. Bruno Fernandez. Une jolie séquence de passe pour Manchester United. Rashford. Oh là là, l'occasion. Oh la transversale. Attention, c'est pas fini, ça continue. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Merci. Oh, de la Bougan, ça fait un but partout, un but partout et une barre transversale partout. Voilà, qui a ce but. Un but partout et signé du peu du pied droit. Messi, Messi, Messi. Oh là là, qui décroche son tir, hein, et qui va trouver, qui va tromper le portier de Manchester United. Bah oui, c'est vrai, ça joue pas bien. Je sais, ça joue pas bien côté parisien. Mais c'est un peu comme en vrai, hein, on va dire. C'est un peu comme en vrai. Dani Van de Beek. Sancho. Ouais, défenseur qui est passé.
Mendes. Ah, il fallait tacler, bien joué. Oh, c'est bien joué! Pour couper la route de Léo Messi qui va pouvoir s'enfoncer. Ah oh. Le dégagement pour le Nil d'Angers. Rashford. Le ballon qui part en deuxième poteau. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Rashford. Ah, une occasion peut-être de mener. Oh, oh ça s'emballe. Ça s'emballe, hein. Le match s'emballe. Oh là 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 là, Kane en avance, comment il va sauver? Eh ça s'emballe, ça commence à s'emballer. Ah il est bien parti ce corner. Ouais, sans aucun danger hein, pour le gardien qui s'empare du ballon. Ah, la volée est magnifique. Mais il n'est pas cadré hélas. Oh Sancho, il est tout seul, comment il fait pour rater ça? Comment il fait pour rater ça, le gars? Papi, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, une belle série de passes, là, de la part du Paris Saint-Germain. Oh, magnifique abad! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident! Alors c'est pas David De Réa hein, qui est au but. C'est qui? Alton? Alton? Dalton? Ditton? Ditton? Attention à ce corner. Le corner qui sera dégagé. Ça presse haut, attention à ce ballon. Allez, il y a du monde au second poteau. Mauvais dégagement là, attention. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Cristiano Ronaldo. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Qui frôle le cadre. Ça tape, ça tape, ça tape. Mais ça ne suffira pas. Ça tape, hein. Ça boum, 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 boum. Au bord de la touche. On fait ajuster, on fait les changements. Les changements à faire. Dani Van de Beek. Sancho maintenant. Donny Van de Beek. Oui, ça s'est donné comme il faut. Il s'est fait passer. Oh là là. Les interventions là. Ouais. J'ai raté le ballon. Hein. J'ai raté cette le ballon. Intervention défensive et régulière. Il y a faute. Centre de Cristiano Ronaldo. Allez, donc. Oh, le but! Le but de Marcus Rashford! Ouais. Personne n'a pu l'empêcher d'aller au bout. Et petit ballon. Petit ballon. Alors, on voit toute l'action. Avec d'abord ce centre qui a mis le but et la bonne impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la. Ils sont à deux pourtant dessus. Hein. Ils sont à deux dessus. Mais bon, il arrive. Ouais, ils sont trop quand même. Hein. Ils sont au Rashford. Avec elle en avance là. Et même la marque désormais de but à 1. On va se concentrer.
Marco Verratti. Marco Verratti. André Herrera. Lionel Messi. Idrissa Gueye. Marco Verratti. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Alex Telles. Donny Van de Beek. Ronaldo. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Mbappé. Ander Herrera. Attention, il peut centrer là. Et l'arbitre qui donne un coup fort parce qu'il a jugé que l'avantage n'était pas décisif. Ouais. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ronaldo. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. C'est la mi-temps. Eh ben. La fin des 45 premières minutes. C'est mouvementé, hein. De 2 buts à 1. C'est mouvementé dans cette première mi-temps. Mouvementé, hein, dans cette première mi-temps. Mouvementé, hein, dans cette période. Allez, c'est parti, deuxième période. On retrouve mené, hein, pour l'instant, au moment des coups d'envoi de la seconde période. Marquinhos, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Lionel Messi. Ouais, il est bien placé pour centrer. Messi qui repasse dans l'axe. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, Achraf Hakimi, Donny Van de Beek, Rashford, Matic. Voilà, fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Oh là, comment il a sauvé! Verratti, pris par le pressing adverse. Allez! Attention. Allez! Allez! Pereira, l'égalisation au bout peut-être! Oui! L'égalisation! Oh là là! Mais c'est incroyable quand même, hein! Parce que sur les deux premiers buts, eh bien, ça a été vice-versa! Ça a été vice-versa! Le PSG a eu une grosse occasion, Manchester United a marqué derrière. Et là c'est pareil, Manchester United a eu une grosse occasion. Et là, c'est le PSG qui marque derrière. C'est vraiment un match fou, hein. Franchement, c'est vraiment un match dingue, avec quand même de grosses erreurs quand même défensives des deux côtés, hein. Faut quand même le reconnaître. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Donc, c'est pas fini, hein. Il reste encore du temps, mais c'est quand même un match quand même. Et avec ce but, tout un match spectaculaire quand même. Cristiano Ronaldo. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. Liverpool qui a fait l'acquisition dont on a beaucoup parlé, qui a été confirmée. Ça, c'est un joueur qui n'aurait jamais pas porté sur le terrain, dans le vestiaire également. Ça fait partie des joueurs qui comptent, hein, dans un vestiaire. Mais ça fait un petit moment que les émissaires du club le suivaient. La frappe. Bon poisson. Oh là 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 là
Oh, elle est dessus. Hein. Elle est dessus, la balle. Messi qui frappe ce corner. Oh, oh Marquinhos, le capitaine courage qui vient capable de catapulter le ballon au fond des filets de Manu. Oh là 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 là, le coup de boule de Marquinhos. Le corner avec un des buts. Et c'est le premier but à ce corner. Oh là là, comment il va la chercher, il va la foutre en lucarne. Hein. Il va la claquer en lucarne la balle. On va bien la voir là, il va claquer là. Oh là là, comment il la met. Oh là 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 là, elle est pour Luc, elle est en lucarne, hein, mais quasiment, quasiment en lucarne. Mais que but de Marquinhos. Et pour une fois, eh bien, à cet instant, le PSG mène 3 buts à 2 face à Manchester United. Eh ben. Harry Maguire. Raphaël Varane. Allez, Pogba. Varane. Donny Van de Beek. Bruno Fernandes. Rashford. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ronaldo. Et pas d'égalisation. Il est en jeu. Ouh là là, c'était chaud. Hein. On va reprendre notre souffle. On va reprendre notre souffle là, parce que c'est chaud, 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 chaud bouillant. C'est chaud, 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 chaud patate quand même. Hein. C'est chaud, chaud, chaud. C'est chaud, chaud, chaud quand même. Hein. Un petit peu de précipitation dans la passe. On va prendre le temps. Il n'a pas essayé de bien se remplacer. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Bernat. Achraf Hakimi. Marquinhos. Mendes. Bernat. Rafinha. Marco Verratti. Messi. Ronaldo. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Messi. Oh, le tir de Messi. Magnifique du gardien. Oh là là. Un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Corner dégagé par la défense. Bernat. Achraf Hakimi, il va pouvoir centrer. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un. Comment c'est bien récupéré là le ballon. Paredes. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Un ballon de cloche pour Neymar. Rafinha. Oh, ça chauffe. Comment ça chauffe. La terrible pression là du Paris Saint-Germain. Oh là là, la terrible pression hein, du PSG sur les buts hein, de Manchester United. Ah, Manchester United a vraiment du mal hein, à se sortir hein, du traquenard hein, de. Attention, ce corner de Neymar. Le corner qui sera dégagé. Il progresse.
Terrible pression, hein, qu'il y a eu. Achraf Hakimi. Rafinha. Les gens qui touchent beaucoup de ballons, qui multiplient les passes. Kylian Mbappé. Qui redonne à Kylian Mbappé. Pas très bien négocié par Wijnaldum, tout ça. Oh, c'est bien donné en profondeur. Quel dommage, cette passe en profondeur qui aurait pu faire très mal. Il aurait fallu attendre un tout petit peu pour lancer l'appel. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Et Messi, hein. Messi qui a mis son but. Et qui a fait plutôt un bon match, hein, Messi, hein. Bernat. Marquinhos. Paredes. Wijnaldum. Achraf Hakimi. L'action qui se poursuit. Wijnaldum. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Bon, il passe. Ah, c'est sifflé cette fois. Coup franc pour Manchester United. Comment c'était bien joué! Il reste un quart d'heure, hein. Un peu moins de 20 minutes avec les arrêts de jeu. Et Joe s'en va tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors. Et il fait ce qu'il faut pour. Cristiano Ronaldo sort. Hein. Cristiano, CR7 sort. Donc nous aussi, on va tout simplement. Bon, bah, d'accord, bah, comme ça, au moins, il n'y a plus rien dedans. Mais... Oh, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Hakimi, on va laisser comme ça, on va voir un peu ce que ça va donner. Un changement, deux changements même, deux changements de joueurs, c'est ce qu'a décidé l'entraîneur du PSG. Cette équipe a montré un visage offensif très séduisant aujourd'hui, parce qu'avec ses deux buts encaissés, ça aurait été difficile. On a envie de créer du danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bien joué par-dessus. Oh, il est passé. Oh, l'occasion. Excellence. Avec Pogba. Bruno Fernandez. Paul Pogba. L'une des dernières chances d'égalisation peut-être pour Manchester United. Allez, la toute dernière même. Ça s'est mal défendu. Ouais, ça pouvait faire mal, mais c'est intercepté, le danger est écarté. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Oh putain, l'erreur! L'égalisation marquée à l'instant pour la prochaine, la fin du match. C'est moi qui fais le con, alors. Hein. C'est moi qui fais le con. C'est moi qui fais le con, je fais n'importe quoi. En je fais le con. But, inscrit certainement au moment où je s'y attendais le moins. Ah ouais, mais je fais le con. Je fais le con. Pourquoi je veux balancer le ballon de côté? Pourquoi je veux balancer le ballon de l'autre côté? Dites-le-moi dans les commentaires. 3 partout, hein. C'est un match où on ne s'ennuie pas. Kevin Draxler. Les gens du PSG et qui savent que ce ballon est important, certainement l'une des dernières actions du match.
Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Tous les Parisiens qui ont envie de monter sur ce corner, c'est un moment très important du match. Comment, oh là 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 là, comment il va aller chercher le gardien? Ah, il part bien ce corner de Di Maria. Bernat. Bien emparé d'Es. Icardi. Infinia. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Wijnaldum. Attention à la frappe. Voilà, Raphaël Varane, c'est dégagé. Allez, 4 minutes, il reste 4 minutes à jouer. Allez, les Mancuniens qui peuvent peut-être aller chercher la victoire. Edinson Cavani. Continue sa progression. Il protège bien son ballon là. Attention, là, il s'échappe. Oh oh, le contre magnifique du Paris Saint-Germain. Oh là 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 là, il restait pas grand chose à jouer, hein. Le contre, oh là, la balle millimétrée, et Di Maria, le chouchou, l'un des chouchous de Marie, qui vient mettre le ballon entre le portier de Manchester United et le poteau. Ça fait 4 buts à 3 dans un match spectaculaire. Alors c'est vrai qu'au début, c'était pas ça. C'est vrai qu'au début, c'était pas ça. Et après, voilà, on a commencé à reprendre le fil du match. Et là, on voit vraiment un très 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 bon match. C'est vrai que premier quart d'heure c'était pas ça, hein, de ma part, mais là franchement on voit vraiment un bon match. 4 minutes de plus. Harry Maguire et Edinson Cavani avec Bruno Fernandes. Oh. C'est un coup franc qui veut bien, parce que là, c'était chaud. Oh, quel arrêt, qu'est-ce qu'il est important cet arrêt. Mais il est important. Il va sauver la victoire. Il est important. Faute au ralenti. Il est important. Se jeter sur ce tacle. Hervé Matou, il est en retard. Oh là, ouais, le coup franc, il est loin. Bah ça va, tranquille. Protection de balle là. Cavani. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ta faute me semble évidente, hein, sur ce tag. Pourquoi je vais faire la faute là-bas, putain? C'est pas possible de voir ça. Pourquoi je vais faire la faute là-bas? Arrêtez! Putain de merde! Oh là 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 là. Heureusement que c'est l'image de préparation seulement. Heureusement que c'est que l'image de préparation. Heureusement que ce ne sont que l'image de préparation. Heureusement. Heureusement. Bravo! Donc voilà, hein, dans ce match, ce nouveau match de préparation, hein, le deuxième. Donc, ouais, c'est un sacré match. Hein, franchement, c'est vrai que. Voilà, j'ai pas été top au début, allez on va dire les 15 premières minutes, ça n'a pas été franchement top, mais après voilà, après j'ai commencé à reprendre le fil du match, donc ça a été plutôt, voilà, c'est en plus
Le match a été vraiment la possession. On voit, c'est un match plutôt équilibré. Hein, ça se joue quoi. Hein. Le PSG a eu un petit peu plus de ballons. Mais voilà, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que Manu, hein, quand on voit Manu, eh bien, ils ont attaqué, ils ont frappé beaucoup plus dans la surface de réparation que moi. Eh bien, j'ai tenté des frappes de loin dans ces trucs-là. Donc, les passes. On va regarder aussi les passes, hein, c'est important quand même. Donc, c'est vrai que les passes, moi, j'ai joué beaucoup sur quel endroit? Ouais, j'ai joué pas mal en retrait quand même. Hein. Après, c'est vrai que Manu a joué beaucoup plus sur le côté droit. Beaucoup plus sur le côté droit. Mais côté défense, ouais, on a quand même défendu bas quand même. Hein. On a quand même défendu bas. Donc voilà. Donc c'est un bon match de préparation. C'est un bon match de préparation. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouvera pour un prochain match, hein, ou un prochain farming, ou un prochain Formule 1. On verra bien un peu comment ça se passera. En sachant que le farming 22 arrive très très vite, hein, dans 3 semaines il sera là. Ouh là, demi-finale. Putain, merde. Demi-finale PSG Real de Madrid. Oh là 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 là, il va y avoir des retrouvailles avec Sergio Ramos, Messi, tout ça. Ça va être une belle affiche. Donc sur ce, moi je vous laisse, c'est Poto. Ciao. Mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Et puis, mettez vos commentaires aussi sur ce match-là. Bye.